Salut les viewers et les vieweuses, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de la série Pokémon Bouclier. On va directement se rendre sur la fameuse route 3 qui se situe à l'ouest, si je ne m'abuse. Donc c'est assez cool, à moins que c'est toute la ligne peut-être la route 3. Non, c'est un tunnel là-bas. Challenger Marcus, j'ai un cadeau à vous remettre de la part du président. Pff, on est tellement pistonnés! Quelle bonté ce président quand même, vous ne trouvez pas? Bref, grâce à son généreux don, vous pouvez désormais accéder au taxi volant. Grâce à ce service, vous pourrez aisément vous rendre dans les lieux que vous avez visités précédemment d'un seul coup d'aile, pratique. Ok, la CS vole en fait, grosso merdo. Grâce au taxi volant, vous pouvez vous prendre n'importe où à Galar d'un coup d'aile de Corvaeus. D'accord, ah puis je peux l'appeler de n'importe où. Ok, c'est pas mal. Waouh! Ah, puis ça me fait le virage et tout. Ça me rappelle vraiment le début de Pokémon. Oh, c'est génial! Ça, par contre, c'est ultra cool. Ok. Je vais avoir fait une petite transition, entre guillemets, dans mon logiciel de montage. Les amis. Pour que vous puissiez avoir la petite, on va dire, la petite... Manque, ça. Bah, j'ai aussi. Ah, c'est un précision plus, d'accord. Avoir, comment dire, la petite animation que je vais mettre quand vous commenterez vos commentaires en fait que je choisirai. Donc n'hésitez pas encore une fois à commenter. Sympa le petit lampadaire. Il me regarde, vous avez vu? Ah non. Jackpot, nice. C'est une CT, donc les CT sont réutilisables. Ah. Ah, par contre ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme Pokémon à capturer dans la ville? Je l'ai loupé. C'était trop rapide. Honte sur moi. Donc voilà, la petite animation est là. Voilà, je pense que ça aurait été assez long l'attente. En tout cas, il y a un autre Pokémon à capturer. Ok, cette fois-ci, je l'ai eu. Oh, la déception. Bon, il paraît qu'il reste quand même un des meilleurs Pokémon de type eau de la cartouche. Notre Léviator international. Donc bon... Peut-être qu'à l'avenir, mais bon. Pour l'instant, c'est pas prévu. Je voudrais avoir que des Pokémon nouveaux, en fait. Dans mon équipe. Bah les couilles de la stratégie pour en tout cas cette version, cette partie. Si jamais je devais reprendre, par exemple, épée, et dire voilà, j'en fais un Nuzlocke, j'en fais un machin. Là, on verra. Habituellement, ça apporte quelque... Salut. J'ai eu l'idée d'ici, la question de faire un combat. Non. Ça, c'est vraiment une des chelous. Faut qu'on soit attaqué si on veut écraser la concurrence. C'est parti, ramène-toi. Je vais te rouler dessus, moi. Y'a pas de sushi. Encore? On va voir si tu peux réussir à le défi des arènes. J'arrive pas à le faire parler aujourd'hui. Ok, niveau 11, l'enfoiré. Faut que je fasse un critique. Ouch. Question, est-ce qu'il va commencer à soigner ces Pokémon là exprès? Ouais. Je m'en doutais. Il y avait un truc qui n'allait pas. Un coup critique s'il te plaît avec ton tranchère, mais c'est bon, c'est fini. Oh putain. Ok. T'envoies qui derrière? Ça la grande question. Peut-être un type feu, je sais pas s'il aurait capturé un type feu sur le chemin. La déception qui est toujours niveau 20, je rappelle. Alors là, il y a du level up. Mini-sange, ah. Citron, sorbet et la faute frimousse, ça pourrait pas être mal. On va l'envoyer.
Je pense qu'il va être juste niveau level, mais on va l'envoyer. Ah, il est juste. Juste. C'est parti. Ça va pas être super efficace, mon ami. À toi. Oh, la déception. Ah ouais, tu maîtrises grave les affinités des types, en fait. Tu te répètes un peu, bonhomme. Ouh, la paralysie. Popopo, le petit proc. Scrognogneux. J'adore. La tronche qu'il a, en fait, parce que... Enfin... J'adore le design de Mini-Sange. Lui, il est vraiment stylé. En tout cas. Il y en a quelques-uns dans ces nouvelles générations qui sont souvent un petit peu hors du lot en termes de design. Presque un petit peu, j'ai envie de dire, ancienne génération. Et lui, vraiment, il me fait kiffer. Et là, on en aura chié à l'avoir. Mais bon, les résultats sont là, c'est tout ce qui compte. Ouh, niveau 12. L'armée Léon. Bah écoutez... On va envoyer le starter contre le starter. Ah, il m'arrive de dire starter aussi au passage, hein, donc attention. Ça part mal pour moi, mais j'ai pas dit mon dernier mot. C'est bien les petites cinématiques comme ça en combat, c'est très anime-like, on va dire. Allez, bouffe. Pff, tristesse. Votre équipe a gagné des points d'expérience. Nice, pas de level up. C'est un bon entraînement, tu trouves pas? Mais il va falloir que je fasse mieux que ça. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des moments où on va perdre contre lui, en fait? Parce que pour l'instant, on gagne et c'est assez simple. Ah, pas d'évolution. Hé, hey, t'es pas mon rival préféré pour rien! Ta victoire est justifiée, j'avoue! Tiens, je donne ma carte de ligue en souvenir. Il y a vraiment tout cet aspect football avec les petites photos de football Panini, tout ça. Hein. Franchement. Le défi des arènes commence dès maintenant à Motorby. J'ai envie de dire Motorby, tant pis. Enfin, pour qu'on aille jusqu'à Greenbury, en fait. Pour vraiment commencer, mais je comprends. On va tout déchirer et après on ira défier le frangin. Et le prochain maître, ce sera le grand Nabil de Paddockstone. Ou pas. Un caninos. Oh, j'adore ce poke. Oh. C'est quoi la planche là-bas? J'ai pas reconnu. On va le capturer. C'est pas une bonne idée ça. Essayons. On est trop fort. Est-ce que je le mets dans l'équipe? Je m'attends... En fait, si on trouve déjà des Pokémon de type feu, je m'attends à en trouver un moment. Alors ça, c'était pas prévu. Wouh! Ah! Burk. Bon, bah, on va faire avec. En badabouin. C'est sympa le nom. J'aime bien. Oh, finalement, il va peut-être pas si mal. Badabouin. Il est tellement concentré à battre à un rythme effréné. À battre? D'accord. À être effréné que même lorsque son adversaire tombe KO, il ne s'en rend pas compte. Ah, c'est stylé. J'aime bien, finalement. J'aime bien le style. Enfin, le style. Voilà. Coup double. Double bifle. Ok. Bon bah de toute façon il n'y a pas de raison d'enlever, de garder griffe. Hein. On va enlever griffe et puis on va mettre coup double. De toute façon il se bat pas avec des griffes apparemment donc... Ok, nice. Ah oui, d'accord. J'ai pas lu, non. Tant pis. Ça c'est du nouveau ça ou c'est... Non c'est pas du nouveau, ça tourne coton, je sais pas. Si c'est du nouveau. Faut savoir que la dernière génération, Soleil et Lune, j'ai... Voilà quoi. Voyons voir, coup double.
What? Oh! Ah, c'est vexant! J'utilise la nouvelle technique pour voir ce qu'elle fait, et en fait, sur ce Pokémon-là, c'est punici... c'est punitif, pardon. Ah, puis c'est doublement punitif! Bon, normalement, il est battu, cela dit. Quoique, j'ai un doute. Allez, le deuxième coup! Non, c'est bon. Nice! Merde, je devais pas le capturer à la base. Ouh! Agression! C'est pas pour toi, mais ça me donne une irrésistible envie de me battre. Vous imaginez, j'ai regardé un truc à la télé, maintenant j'ai envie de tabasser quelqu'un. Un Goopix. Bon. Bah clairement, ma chère Trick va pas rester là très longtemps. Bah pourquoi? Il a Flamèche à ce niveau-là. Normalement. L'irrespect, on va le tapotiger. Bah, et pourquoi? Voilà, ça c'est fait. La binocle niveau 12, non, il a évolué au niveau 10, donc je pense pas qu'il évolue déjà une deuxième fois. Vers une troisième forme. Très bien, c'est déjà fini. Zigzaton. Je vais encore me faire... Oh, elle a tourné la tête, elle m'a regardé. Nice. Moi, j'aime étudier les langues étrangères informatiques et les Pokémon. J'avais pas Pokémon, moi, à mon école à l'époque. Peut-être que maintenant, il y a... Noémie. Un pan d'espiègle. Ouais, il est tellement stylé, ce Pokémon. Projection. Ah non. Oh, elle est stylée. Bon, ça va. On a du bol. Sur le changement, ça va. J'avais peur que ce soit un niveau un peu moins haut. Irrespect. Irrespect. Oh, ça va être juste. Mais si je le fais 5 fois, ça passe. 4. Ah, ça va. Nice. L'irrespect de la furie. Par contre, le Pex qui va gagner, lui. Ouh, on a deux doigts de passer niveau 15. Bah alors, Noémie. Oh, j'ai perdu. Oh non. J'aurais dû passer plus de temps à étudier les Pokémon. Oh, un mouflette. Attends, c'est par là qu'il faut aller ou... Ouais, mais j'ai pas forcément envie de camper maintenant. Ouh. Ce qu'il y a juste à côté de ma tête est assez intéressant. Un anti-brûle sur la route 3. Oh. Je vais bien me faire agresser par ça. Sait-on jamais. Oh, un Machoke. Vous voyez à quoi ressemblaient les Pokémon, entre guillemets, anthropomorphes à l'époque? À ça. Attendez, je suis en danger? J'ai pas fait gaffe, j'ai directement enchaîné comme un réflexe, mais... C'est Balai qui a gagné un niveau. Ouais. Bon, c'est vrai que je devrais peut-être en capturer un peu plus. Ouais, j'aimerais voir un truc. Ouais. Peut-être falloir que je commence à acheter un petit peu de produits de soins, ça m'embête un peu, je l'avoue. Je suis toujours curieux de savoir ce qu'il y a dedans. On va essayer de le capturer, je l'aime bien. Ah, en plus, il a une bonne... capacité. J'ai jamais... Je crois, non, il en a une bonne ou c'est une que j'avais du mal à comprendre, tout simplement. Est-ce qu'elle est efficace, je veux dire, ou est-ce qu'elle était intéressante pour moi et j'avais du mal à comprendre? Vous voyez le petit détail. Pouic. Et ça le tue. Dommage.
C'est Mini-Sange qui est... passé de niveau. Oh. Salut. Ah. Cherche un Pokémon à placer, attraper à la place, j'ai trouvé un dresseur. Allez, on va voir qui est le plus fort. Je sais déjà qui c'est, mais bon. On va peut-être changer trick de place, je commence à en avoir ras-le-bol de le voir toujours en première position. Arnold. Oh, Rose Bouton. C'est pour qu'il résiste. Bon bah voilà, il a pas résisté des masses. Ah ah, la binocle. Un tournicoton. On va envoyer la binocle. Ah mais attendez, est-ce qu'il s'appelle encore la binocle? Est-ce qu'il a encore des binocles? On va regarder. Ouais, c'est bon. C'est des culs de bouteille à ce niveau-là, mais c'est bon. Ok. Hop là. Ouh, la binocle fait pas dans la dentelle. Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y. Je commence à l'aimer, la binocle. Il est de type psy aussi, c'est ça? C'est pas juste, tes Pokémon sont trop forts. Oh. Je suis trop nul, c'est pas juste. Il y a un de ces mecs qui rage sur Call of Duty. Enfin bref. Ah! Salut, Challenger! Tu avais la classe dans ton uniforme pendant la cérémonie d'ouverture. Tiens, où est passé Nabil? Il est parti devant. Il tient pas en place, celui-là. Ça doit le démanger de rejoindre son frère. Au fait, j'ai un truc à te montrer. Tu vois le bâtiment là-bas? Il appartient au conglomérat Cheros. D'accord. Au bout de la route 3, il y a une mine. Le minerai extrait est transformé en énergie dans cette usine. Donc ouais, Cheros est un touche-à-tout. Même l'énergie de Galar, c'est à lui qu'on la doit. Enfin, tant mieux pour lui. Il est hyper brillant ce type, on peut pas le nier. Bref, je voulais juste te montrer ça. Tiens, un petit cadeau pour la route. C'est une corde sortie, ça peut toujours servir. Ah, il y a une grotte, on va te filer une corde sortie si tu te plantes, parce que sinon... Elle peut être utilisée à volonté. Oui, quand j'ai vu, c'est un objet rare. D'accord. Et je vais soigner ton équipe tant que j'y suis. Merci. Ça m'apprendra à tuer des potions. Greenbury, c'est pas la porte à côté, mais c'est un bon échauffement. Allez, file. Bonne chance à toi, Challenger. Bon, elle est sympa. Je suis curieux de savoir à quoi elle va servir dans l'aventure, parce que si elle reste comme ça, juste un espèce... Ouh, c'est nouveau, ça. Ouh, ah, j'aime bien. Je sais déjà comment je vais l'appeler. C'est nul. Est-ce qu'il y a moyen de savoir? Non. Je sais pas ce qu'il a comme... Oh, je crois que c'est un type feu. C'est juste un type proche? Bah je sais pas, moi je vois un bout de charbon, je pense à type feu. Ok, il est capturé celui-là. Alors j'ai vu que j'avais encore des problèmes d'encodage sur ma tour. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ça vient. J'ai quand même à 47,90k, c'est chelou qu'il en chie. On va le rappeler, n'a qu'un œil. Ok, et on va aller voir ce qu'il a comme... Inifugé aussi, bon bah écoutez, on va le garder. Hein. On va le garder, je suis sûr que c'est un petit peu. Au revoir, balai. J'espère juste que ça va aller au niveau de l'encodage. Alors. Mmh.
Il n'y a que ça, hein, de toute façon. Je vais utiliser le... Le type des Pokémon, donc il n'y a que ça. Hein. Je me rappelle plus du terme, c'est le stag. Oh, le poil de cul. Hop les. Est-ce qu'elle va en avoir un autre? J'ai pas fait attention. Ouais. Ok. Il est adorable celui-là, quand même. On va continuer sur Pic-Pic. Il est solide. Il est solide. J'ai peur de me faire one shot là, je l'admets. Oh la vache. Ah, il le savait, le jeu le savait, l'enfoiré. J'ai un KO. J'ai un KO. Du coup, bah, on va envoyer la déception suprême, venger le KO. Je suis vexé. Est-ce que j'ai un rappel? J'allais dire pas aussitôt. Je crois qu'il profite de l'XP quand même. Je sens qu'il est à deux doigts d'évoluer, quoi, donc... Allez. Hop là. Piafman va prendre Picœur. Je me rappelle plus ce que c'est Picœur, c'est pour se régénérer, non? Non, même pas. Ah si, c'est ça, ouais. Profite des effets de la cible. De toute façon, overall, Picœur, c'est mieux que Pic-Pic. Donc, bah écoutez. C'est parti. Peut-être une évolution. Je m'en fiche de perdre. Ce que je voulais, c'était te montrer mes Pokémon. Nah. Oh. Non. Un arbre à baie. Bon, je vais pas m'amuser à secouer le cocotier pendant 3 ans. Hein. Ah ouais, d'accord. Baston, nice. Hop là. Esquive. Ah, oh, le flic. Un flic, hein? Non, c'est un facteur. Bonjour, c'est le facteur. J'ai livré des colis, mais aussi des combats. je livre votre courrier et je vous agresse. Nice. Ferdinand. Un cas d'oiseau. Ouais, bah, de toute façon, tu pouvais avoir que ça, comme... Ah, j'ai encore un problème d'encodage. C'est chelou. Ça va me perturber ce problème d'encodage. Alors que je fasse gaffe. Ok. Ah, encore hein. Je sais pas ce que je fais pour avoir ce problème d'encodage. Avant, j'en avais pas des comme ça. J'espère que c'est pas mon proco qui a pris un coup dans le nez. Hurlement? Non. Non, j'ai dit... Oh. Voilà, merci beaucoup. Ah, et j'aurais dû laisser un avis de passage. Il est con. Qu'il est con, qu'il est con. Ah, une tente. Non, je peux viser son campement. Oh. D'accord. Du coup, tu m'agresses ou tu m'agresses pas? Non, tu m'agresses pas.
Ok. C'est quoi ce bruit? Pokémon ont des types et c'est ça qui leur donne l'avantage ou pas en combat. Attends, je vais te montrer. Montre-moi. Brutus, c'est parti. Hop, on va voir si ça marche mieux comme ça. J'essaie de trouver des astuces pour pouvoir rendre le truc un peu plus viable. C'est pas normal que ça me fasse ça. Par contre, ça c'était une erreur de ma part. Cela dit, il a un Pokémon insecte en face. Hop, full life. Piefman est de retour. Ligotage. Oh, c'est ça a toujours été moche cette attaque. Ok. C'est parti! Va bouffer l'insecte! Oh! Ça fait mal! Coléodome. Coléo. Ah, c'est le truc que j'ai. Oui, d'accord, ok. Psy. Ok. C'est pas grave. Ça reste un insecte. Nice. Bon bah il est bouffe hein, pour le coup là. Il a été mis KO une fois, ça lui a pas plu, on le sent hein, Piafman. C'est pas son truc. Déception pour son niveau 21. Coup de boule. Ah. Nice. À la place de... Charge. Hop là. Ah, Brutus est battu! Oh, t'es plus âgé, t'étais avantagé! Je confirme. Pas d'évolution. Ouh, nice loup. Ouh, l'agression! Tu ne m'auras pas! Tu ne m'auras pas. Si tu me dis que tu soignes mes Pokémon juste... Si jamais vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à revenir me voir. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, hop! Des topiqueurs, des... Je sais pas comment ça s'appelle ça. C'est génial le topiqueur, donc la façon dont il se déplace. Ouhou. Morceau d'étoile, d'accord. Bon bah alors tout le petit thème qui disait qu'on allait pouvoir retourner dans les anciennes versions via ce tunnel est déjà oublié. Wouah. Ok, il doit y avoir un truc dans le coin. Mon partenaire et moi, on est comme les deux doigts de la main, au boulot comme en combat. Alors la question c'est s'il a du type sol. Est-ce que j'aurais dû mettre un type eau ou un type plante? Ouais. Parce qu'il est aussi du type roche en fait. Forcément. Sois arrogant mon ami, sois arrogant. Ok, on va pas être arrogant du tout. C'est stylé ça! Pardon, hein, mais... C'est ultra stylé! J'ai rien pour contrer avec celui-là. On va envoyer Trick, c'est pas grave. Hein. De toute façon, il va falloir que je les entraîne tous. Il va falloir que je capture suffisamment de Pokémon pour créer une alternative, vous savez, à l'équipe, et entraîner un Pokémon, un par un. Pour qu'ils soient tous au même niveau, plus ou moins. T'as petit, ça devrait être suffisant. Bon, apparemment, l'encodage ne tient le coup, là, cette fois-ci. Je suis assez content. Ok. C'est très très chiant comme caméra. Je préfère le dire, hein, mais... du coup... On envoie Trick en premier, puisque c'est lui qui est finalement le deuxième meilleur. Ok. 3 Super Balls, nice, ça fait du bien. Ok.
J'avais même pas vu. Et Bullrock. Ah. Ça pourrait être intéressant sur... Ouais. On va aller utiliser. C'est une CT, j'ai l'impression, donc... Voilà, parce qu'il y a les DT qui sont utilisables qu'une seule fois et les CT qui sont utilisables plusieurs fois. J'espère ne pas me tromper. Pardon, j'avais pas vu qu'on était dans le menu. Ça, c'est tellement pas habituel pour moi, ça. À la place de... De charge. Je veux garder brouillard, ça peut toujours être pété. Surtout contre l'IA, en fait. Allons-y. Hop, la mine de Galar. Il n'y en a qu'une, apparemment. C'est dommage. Continuons, continuons, continuons. Oh. Aveugle. Aveugle. Je suis aveugle. Oh, putain. Oh. Je viens de te voir. Bien, merci de t'être un sac entier de poussière d'étoile. Ah oui, d'accord, non, c'est le... Bouh. Mais comment t'es passé devant moi? J'ai pas eu le temps, j'ai pas voulu le lire, j'ai cliqué vite, mais... Shirley. Ah. Toi aussi. Alors, par contre, on a un problème, t'as un plus gros bâton que le mien. Du coup, bah, je vais devoir te trancher. Pour le réduire en taille, en dimension. Et tu me bifles. D'accord, tu veux vraiment me bifler. Moi, je vais te double bifler. Tu veux vraiment qu'on joue à la bifle? Je vais te double bifler. Voilà, c'est tout. Ah, t'as pas survécu à la première. Une bifle était mort. Mince alors. T'en as peut-être un petit deuxième derrière, Shirley. Voilà, un charpentier. Très bien. Un petit deuxième. Exactement ce que je voulais. Ah, là, c'est la maman. La maman charpentie. Elle est avec son... Je sais plus comment il s'appelle, vous savez le... Dans South Park. Voilà, j'ai fait le geste. À vous de vous démerder. Allez, double bifle encore pour la maman. On avait dit pas les mamans. Bon là l'encodage tient. C'est cool, je suis content. Si j'ai réglé... Au moment où j'ouvre ma gueule. Il y a un problème. Je sais pas ce qui se passe mais il y a un problème. Ouais, Polyrush, ouais. Non, finalement, non. Ah, putain. Charpentier, toujours troisième charpentier? Non, on va continuer avec le même, hein. Je vais continuer à les bifler. Je sais pas ce qui se passe. Et ça commence à me faire stresser, à vrai dire. Parce que moi, je vois CPU usage 2,8%. C'est ça qui me choque, en fait. Ah, ça me... Turlupine. Grassement, ça m'intéresse pas. Et c'est tout. D'accord. Ah, ça me fait chier. Si vous avez des idées dans les commentaires. Ok. Les Pokémon, on travaille ensemble, on est balèze, attention. C'est pour ça que t'agresses des gamins, quoi, dans une grotte. Mais c'est... Enfin bon, à part ça, tout va bien. Hop les citron sorbet. Ses yeux. Tout est dans le regard. Tout est dans le regard.
Hop, les Ritash, TU, tes Pokémon, c'est pas mal non plus. Je les engagerais bien sur le chantier. C'est pas parce qu'il a deux sextoys dans les mains que t'as envie de les engager, normalement. Merde. Franchement. Respecte un peu le corps de ce Pokémon. Oh, pourquoi t'es... Pourquoi il avait une aura? Non! C'est dégueulasse! Je voulais le capturer, il avait une aura chelou. Bon bah écoute. Suite à un suicide, un Pokémon oiseau évolua. Ah. Ah, t'étais stylé avant. Bleuzeil. Piafman, ouais bah écoute, tu fais un peu moins Piafman pour le coup. Mais il a toujours ses yeux chelous. Après avoir surmonté tant de rudes combats, il a appris à déterminer avec précision la puissance de ses adversaires. C'est pour ça que c'est le premier de mes Pokémon à être mort au combat. Ah, parce qu'il avait des watts. D'accord. Eh, mais... Non, je crois qu'ils avaient deux tailles différentes. Chercher des objets, et voilà, Tipak, je tombe sur un dresseur. À la bonne heure. Parce que bien sûr, tous les mineurs sont des rustres, hein, dans le nord... Ok. Ah, intéressant, grosse botte. J'oublie plus les effets d'antenne. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, oh, vous avez vu, il y a le fils de Chéros en face. Tu veux te la mettre? Je sais plus quelle voix je l'avais fait. Toi là, avec l'étoile vœu, tu es peut-être arrivé jusqu'ici, mais c'est la fin de ton de l'aventure pour toi. Un conseil, fais demi-tour ou tu vas passer un mauvais moment. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme Pokémon? Je vais envoyer Nakan œil en premier. Je le sens bien. Je le sens bien. Ah! Dis-moi que t'es pas un pervers avec un... Non, c'est bon, il a des fringues en dessous. Tu es l'un des challengers recommandés par le maître, c'est bien ça? Quelle vaste blague! Le maître, c'est de la bagatelle. La personne la plus importante dans la Ligue Pokémon, c'est son président, c'est bien connu. Et moi, je suis recommandé par le président, justement. Donc, je vaux mieux que toi, pigé? Tu vas apprendre à t'agenouiller devant le meilleur que toi, espèce de minable! Il me rappelle un petit peu... Saga. Je sais pas pourquoi. Les yeux violets, peut-être. Ouais, le violet, j'aurais dû y penser. Psy, peut-être fée aussi, qu'il aura. Allez, l'irrespect, l'irrespect! N'a qu'un œil! Nakanei! Ah ah! Bullrock! LOL! 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 Je lui cale deux brouillards! Il arrive à passer des attaques? Et moi j'échoue! Le respect est mort. Non mais... J'ai pigé.
C'est con, hein. Par contre, moi, je vais pas te louper, bonhomme. Voilà. Non mais lol. Je suis bon prince, j'offre un moment de gloire à ton Pokémon. Ou t'es très mauvais quoi. Allez, au revoir. Je suis dégoûté par cette attaque brouillard parce que finalement il les passe toutes ses attaques. Hein. Bibichute. Si c'est un Pokémon acier sur roue. Hein? Ah, ouais, j'adore. J'adore la tronche que ça. Par contre, c'est encore un type psy, je pense. Champ canon. Ah non, peut-être un type normal alors. Ou acier. Champ canon, je crois que c'est acier. Un type psy encore. Je sais pas si maintenant que j'ai. Aucune info. Ok, on va continuer. Je pense que c'est un type psy. Mais j'aime bien. Ça a un petit côté. Ouais, encore une fois, celui-là, il a un petit côté première génération. Hein. Je trouve. Mystère, tout ça. Alors, ce côté-là, c'est encore un type psy. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Ça ne me ressemble pas, il faut que j'en finisse. Il va avoir que des petits psys. Mais est-ce que ça veut dire que la fille de la team Yel va n'avoir que des types ténèbres? Ah. Parce que là, du coup, ça fait sens. Voilà, alors ça, j'aime pas. Ça va, pour l'instant il est un peu débile je trouve, mais il aurait dû en profiter. Enfin, je comprends pas. Bon bah victoire. Victoire de la binocle sur toute l'équipe en face. Hein. Un level up mérité. J'avais dit que sur Vinsect elle ferait des dégâts. Je vois, peu importe. Ce n'est pas comme si j'y avais réellement mis du mien. Ouais, enfin vu la gueule que tu tires, t'as l'air déçu quand même. Hein. Je dois dire que je m'attendais pas à ça. J'avoue, tu te défends. Mais tu m'es tombé dans mon piège. Tout ça, c'était juste pour savoir comment tu combattais. Maintenant, je sais que sur tout. Maintenant que je sais sur tout sur ton style, je te battrai à plate couture en compétition officielle. Sur ce, tu m'excuseras. Mais j'ai vraiment mieux à faire qu'en discuter avec un ego comme toi. Oh, et ne perds pas ton temps à chercher des étoiles vœux ici. Je les ai déjà toutes récupérées. Quel connard! Le mec pense qu'à sa gueule. Bref. Une étoile veut. Et là, j'aurais tellement rigolé, en vrai. Bon bah... Fuck. Bonjour madame, est-ce que vous allez Non, vous allez me soigner. Ok. Bon, c'est pas grave. Après la mine de Galar se trouve la route 4. Courage, Challenger. Greenbury est à deux pas. Ah ah. Et bah, sur cette vision, les amis, qu'on va se laisser pour cet épisode. Mais je vais essayer de régler mes problèmes d'encodage parce que je suis un peu déçu par ça. Et je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut les gens. Et yop. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous.